troisième épisode de Acetylene Power. Ah bah oui, non mais quand je vous dis qu'on fait plus gros, on fait plus gros. Alors un frigo, allez c'est parti. De retour encore une fois avec notre joli poste à l'acétylène et cette fois-ci, on va gonfler complètement un ballon de 100 litres de gaz dans ce frigo. Et puis étant donné qu'il y a une partie congélo, oh ça sent le vieux bébé là-dedans. Ouf, on va y mettre un petit ballon aussi puis on va allumer les deux quoi. Cette fois-ci, ça devrait cogner bien fort quand même. Mais c'est ce qu'on veut. Alors c'est parti. Mais faut le pimper, venez on le pimpe. Voilà, allez il est prêt à péter. Pour le déclenchement, encore une fois, on va utiliser mon système à distance sécurisé. Donc quand je vais appuyer sur le bouton, ça va basculer un relais qui va envoyer du 12 volts dans cette sortie. Et le 12 volts va arriver dans cette petite tête qu'on appelle une amorce. Et c'est ça qui va nous donner l'étincelle nécessaire à la combustion du gaz qu'on est prêt à mettre dans les ballons. Donc on y va, on y va. On les a bien remplis ceux-là, pas hein. Le pire, c'est que c'est long à remplir. Mais oh. Je vais te dire, mais tu le dis pas à ton père parce que c'est... je me cague. Tu te cagues? Oui, je me cague. Sécurité enlevée, boîtier armé, on y va. Disparition de frigo à l'acétylène dans 3, 2, 1. Ah, il a frappé un peu plus fort celui-là. Un peu plus, ouais. Eh bien, je pense qu'il va falloir penser à ramasser maintenant. Eh oui. Allez, bon maintenant je vais quand même déclencher l'explosion, c'était juste l'amorce, mais je vais remettre une... Ah non. Ah oui, ah là, 100 litres, ça a cogné. 100 litres, ça a plutôt bien cogné. Mais en fait, il suffit de voir la tête de la porte, hein. Enfin, ce qu'il en reste. Ouais, ça, c'est... Non, c'est le côté gauche, c'est le côté gauche. Oh, il y a eu... Oh, il y a eu... Il y a eu une petite éraflure, là. Oh... Vache! Ça doit être le bas de l'étage du dessous ou alors le capot du dessus. Et n'empêche, la table est dans un meilleur état. Eh oui. Ah oui. Oh, bah. Allez, le circuit de refroidissement, c'est fini. Et le compresseur. Non! Eh, le compresseur est à 15 mètres. Hein. Waouh! Oh la vache! Il y en a partout. Oh putain, faut balayer maintenant. Et on voit bien qu'il y a eu un petit décalage quand même avec la deuxième explosion. Et effectivement, le fait que ce soit dans un frigo, ça atténue vachement la visibilité de l'onde de choc. Hein. Et pourtant, on l'a senti. Hein. T'en as pensé quoi, Fred? Comme je dirais toujours, excellent. Excellent. Et toi, t'en as pensé quoi? Petit. Mais qu'est-ce qui s'est passé à mon chien, là? Kiki! Mon Kiki! Il y a vraiment des gens qui balayent les graviers ici. Il y a des gens qui balayent les graviers, je ne sais pas pourquoi. On a déjà un joli tas de bordel là, c'est quand même pas mal. Mais je pense qu'on peut faire un petit peu plus. Je pense qu'on peut faire encore un peu plus gros. Alors abonnez-vous vite à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de laisser un like bien sûr si ça vous plaît. Et au prochain épisode, je peux vous garantir que ça va être très 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 gros. Alors à la prochaine, ciao.